Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pourquoi le chiffre 7 est-il autant présent dans notre culture? Le chiffre 7 est présent dans nombre de religions. Dans la Bible, Dieu créa le monde en 7 jours. Le chiffre 7 correspond encore au nombre de sacrements des catholiques. De même, dans la tradition islamique, on compte 7 ciels. Pour les hindous, il y a 7 sources d'énergie du corps, les 7 chakras. L'art de la numérologie définit 7 comme le chiffre de la vie intérieure. Être aussi associé à autant de symboles religieux, en fait, pour beaucoup de superstitieux, c'est un chiffre porte-bonheur. On le dit magique et bénéfique. Dans notre culture, le chiffre 7 est omniprésent. Les 7 merveilles du monde, les 7 océans, les 7 continents avec l'Arctique et l'Antarctique, les 7 collines de Rome, les 7 mers, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, et la liste est non exhaustive. Hormis les péchés capitaux, ce chiffre est toujours lié à des symboles bienveillants ou des éléments naturels indispensables à la vie. Comment expliquer l'omniprésence de ce chiffre? Certains y verront le simple fait du hasard, d'autres un signe. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute le nombre impressionnant de coïncidences, tant religieuses, historiques que mathématiques, qui confère à ce chiffre toute sa magie et l'idée qu'il porte bonheur.